Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une création incroyable. J'ai créé un escape game les gars. Un escape game, vous savez ce que c'est. Il faut sortir de cette escape game. Vous êtes enfermés actuellement. Regardez, là, ils peuvent plus. Regardez, derrière eux, c'est un mur. Il y a le des jeu de la sortie. Autour d'eux. J'ai pas spoilé. Est-ce que vous êtes prêts pour cette escape game? On est prêts. Le but, trouver la solution pour sortir. Juste, vous êtes dans la première épreuve. Allez-y, vous pouvez y aller. Dans cette épreuve, vous n'avez pas le droit d'utiliser les roquettes voltiques pour sortir de l'épreuve ou sortir. Ouais, l'objet d'aller dans une box quoi. Bah pas forcément, bon, okay, mais vous n'avez pas le droit de sortir de la box avec les roquettes, c'est tout. Voilà, après je peux pas vous dire analyser ce qu'il y a autour de vous, analyser. Ah, il y a une sortie la salle là. Okay. Déjà t'as vu? Ouais, il y a une sortie là-bas à gauche, je sais pas si t'as vu. Non, on n'a pas le droit de sortir en roquette voltique, on est d'accord. Hein. En roquette voltique, c'est interdit la salle. Voilà. Ok, il y a une bonbonne, je me suis bloqué. Hein. Après, ouh, voilà. Oui, on met... Alors, Lune, moi je suis bloqué, comment je fais pour me tuer? Ah. Comment ça t'es bloqué? Bah, il y a une bonbonne. T'as mis une bonbonne rouge et en fait, je peux pas. J'ai pas d'arme, je peux rien faire quoi. Ah bah, on a le droit de faire ce qu'on veut ou pas? Faire ce qu'on veut, c'est-à-dire. Bah, non, par la roquette voltique. Ça, c'est interdit par exemple. Ça, ce que je fais? Ouais, alors... ouais, ben moi, c'est par là-bas. T'étais vers le trou. Non, non, parce que la salle, j'ai oublié de préciser qu'il est interdit de monter sur la Briozo, pardon, à pied, voilà. De monter sur le toit de la Briozo pour faire des trucs. Voilà. Après. T'as pris quoi à la salle là? T'as enlevé ta roquette voltique là? Là, j'ai une Briozo, bah. J'ai une Briozo. Voilà, à vous d'explorer les autres cases après. Hein. Donc voilà, c'est. Tout ce que je peux vous dire. Mais alors, dans ce cas, mais elle sert à quoi la Briozo si j'ai pas le droit de sortir Bah, tu verras. Pour le moment, t'as découvert un objet dans un escape game. Dans un escape game, tu sais, il y a des bus. Il y a des bus. Mais ton escape game, il est bizarre. Normalement, tu trouves une sortie, tu sors. Hein, non, non, mais c'est parce que tu peux pas. Bah, après, à la salle, on est limité. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'étais invité aujourd'hui même à un escape game. Non, parce que les gars, je vous explique. On est expliqué dans le jeu. Enfin, on est expliqué, excusez-moi. On est limité dans le jeu. Donc, malheureusement, bah, je peux pas. Oh, je peux pas tout bloquer, vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas tout bloquer quoi. Mais oui, c'est vrai qu'on peut faire comme tu fais là, la salle. C'est faisable. Mais la salle? Ouais. Je suis de l'autre côté moi. Où? Bah de l'autre côté. Mais t'as pas le droit? Bah oui, on est d'accord. Mais attends, je reviens du coup. Ok. Bah tu peux revenir Eden, tant que voilà. Alors. Et je reviens. Donc du coup, la salle, je sais que t'aimes les roquettes défi, je sais que tu kiffes ça. Donc pourquoi pas, voilà, quoi, j'ai envie de dire. Ah oui, bah forcément. On peut sortir ou pas? Ou on est obligé de rester là où on est? Sortir d'où? Bah, revenir par là où on est rentré, genre. J'ai pas compris ce que tu... T'es où? Bah, je suis là, mais est-ce que j'ai le droit de revenir là où on est rentré? Par là où on a commencé, quoi? Bah oui, tu peux revenir, oui. Et avec la roquette voltique, je peux sortir. Sortir? Ah non, 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 tu peux pas sortir de là, c'est fini, là, Là, une fois que vous avez passé cette rampe devant vous, les gars, vous pouvez plus revenir en arrière, c'est impossible. Ok. T'as trouvé un truc, toi, à la salle, dans les box? Bah ouais, la Briozo. Mais apparemment, j'ai pas le droit de l'utiliser. T'as le droit de l'utiliser, si, mais t'as pas le droit de monter dessus. C'est la règle que j'ai oublié de préciser au début, parce que c'est vrai que j'ai oublié. Ah, monter dessus, on est obligé de s'en servir, quoi. Vous avez pas le droit de monter dessus, de se monter sur le toit pour sortir, si vous préférez. Alors... Par contre, il y a d'autres choses, quoi. J'ai envie de dire, il y a d'autres cases. Après, c'est à vous d'explorer toutes les cases, Eden. Donc, je crois qu'Eden, t'en explore pas. Si, si, j'en ai exploré. Hein. J'en ai cassé pas mal, mais c'était des bus, c'était des trucs bizarres dedans. Ok. Il y a une roquette voltique la salle. Bah, on a... bah oui, mais on n'a pas le droit. Une roquette voltique, comment ça? Bah, je sais pas, il y a une roquette voltique. Oh, punaise. J'étais trop haut. Voilà. Petit à petit les gars, vous allez faire votre nid. Voilà, petit à petit, comme on dit la salle, l'oiseau fait son nid. Oh. Eden, t'as trouvé des trucs ou pas? Pas du tout. Pas du tout. T'es rentré dans des cases ou pas déjà? Bah t'es rentré dans la bonbonne. Dans la bonbonne. La bonbonne, ouais, je l'ai faite. Ok. Il vous en reste pas beaucoup en vrai, donc à découvrir les gars. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à la salle? Eh bien, c'est un piège, c'est un piège, nous avons un piège. Alors n'hésitez pas à communiquer entre vous les gars quand vous voyez des trucs.
Bah, y'a quoi la salle dans ta case là? Rien. Et j'essaie d'aller en haut à droite là. En haut à droite, ok, bah j'y vais. Allez, la salle, montre-nous ton talent de. Ouah! De Rocket Voltage. Et c'est lui direct, hein, chez la salle normalement. Oh! Merde. Bah, c'est ouvert, mais. Ah, y'a un camion! Un dune! Ah, ah! Y'a un dune, la salle, il faut retourner dedans. Faut s'en servir, je pense. Ok. Vous pensez que vous allez pouvoir, vous allez vous servir de ce que vous avez le dune pour faire un pont et après je t'emmène, tu sais, avec la briozo, genre je rentre dedans et tu. Et genre, enfin voilà quoi, je crois. Alors. Tu l'as eu? Oui. Ok, vas-y, bien joué. Alors du coup, c'est la première épreuve, les gars, vous allez avoir plusieurs épreuves. Et comme j'ai dit, il y a une référence à Ark. Vous allez voir après. Des dinosaures? Ah bah je pousse, vous allez voir, vous allez normalement si vous êtes des vrais de Ark, vous allez. Elle où la briozo? Je l'ai posé derrière. Vas-y, prends là et monte. Là-bas la bleue là, c'est ça? Ouais. Ok, hop. Ok. C'est à la fois un escape game, à la fois des choses. Un 100% dangereux transport. Ah bah, ouais, j'arrive. Ça se trouve, c'est pas ça la solution, les gars, parce que là, je vous vois exciter tel des exciteurs. Ok, la salle. Vas-y. Je recule en même temps un petit peu. On va voir si la salle est intelligente. Alors, rappelez-vous juste que vous avez pas le droit de monter sur la briozo. Après, j'ai pas dit d'autre. Attention, attention, la salle, attention. Bah, recule pas. Ah, c'est bon. Ok, je suis passé. Ok, Eden, c'est bon. Je vais sur l'écran de la salle maintenant. Et bah du coup il fait comment là? Bah il peut monter sur le toit du camion. Il réfléchit. Je peux rien dire pour lui. Ah je peux pas monter sur le toit du camion non plus. J'ai pas de ça. Et les règles c'est interdit de monter dans le toit du... Attends vas-y place ton véhicule la salle, j'ai compris. Vas-y, voilà, vas-y descends. Mais non mais en fait tu peux monter sur le camion, qu'est-ce qu'on se fait chier, vas-y monte avec le camion. J'ai le droit de monter sur le camion? Ah bah, tant que je ne dis rien, tu fais ce que tu veux. Ouais, qu'est-ce qu'on s'est fait chier à ramener la briozo alors en fait? Ok, alors les gars, bienvenue dans la deuxième épreuve. Les règles de cette épreuve sont assez simples. Vous n'avez pas le droit, les gars, de utiliser la porte qui se trouve devant vous. Vous voyez la porte devant vous là? Il y a une porte ouverte. Vous ne pouvez pas utiliser cette porte tant que vous n'avez pas déchiffré le code qui se trouve devant vous. Voilà. Le code devant vous, donc là, il y a des voitures, il y a des couleurs, il y a des chiffres. Après, à vous de déchiffrer. Et derrière bah, vous... 5 c'est bleu, 10 c'est jaune, ouais, après. Alors, après, je pense qu'il y a un labyrinthe, la salle, mais tu peux... Prends une voiture avec moi. Voilà, tu peux aller chercher avec une voiture. N'oublie pas que le sang, c'est le vert. Voilà. Après, je peux rien vous dire. Là, il y a du vert, là, la salle, ici. Maintenant que j'ai enlevé la voiture... Ah ouais, merde, c'est quoi la le vert? Non, c'est combien? Non, la salle. la salle, écoute-moi. Le vert, tu le mets sur le 5, vas-y. Attends, Eden, je vais sur ton écran. Vert sur le 5. Attends, bouge pas, Eden, hein. Je vais montrer. Ouais, vas-y. Alors... Donc la salle, vert 5. Donc tu mets 5, voilà. Donc là, c'était le vert 5. C'est bon. Okay. Voilà. Vas-y, bah, on fait ça. La salle, tu passes les voitures et Eden, il cherche. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez compris, vous avez trouvé la ref ou pas, les gars? Quoi? Bah, les gars. Quoi? L'épreuve là. Les jeux de. Mon jeu bizarre là? Non. Sur Ark, les gars, quand on va chercher la rune. Eh oui, les gars. Quoi? Quand on va chercher la rune sur Ark, il y a des chiffres avec des couleurs. Vous vous souvenez plus? Ouais. L'artefact. Oh le flop. Ouais, ouais. Et bah voilà, bah c'est une référence à ça. Alors, allez-y. Ah ouais, pas mal. Allez-y. Ensuite, Eden. Attention. Le flop. Alors, attends. Violet, là, j'ai violet. J'ai une plateforme violet, mais je crois qu'il a pas fait exprès. Le rouge, c'est 10, la salle. Ok. Rouge, 10. Et bah, du coup, inverse, les restes, et voilà, c'est tout. Bah pas forcément. Bah si, on demande à valider, si c'est pas ça on remet et on... Ah non, je peux rien valider comme ça les gars, c'est fou. Ok. Jaune 50 la salle. Ok. Et voilà. Bah, c'est bon, tu peux revenir.
I'm coming. Eden va revenir tranquillement. Vous allez me confirmer le mot de passe et je vous dirai si c'est ça ou pas. Alors, vert 5. Ok. 10 rouge. Oui. 50 jaune. Oui. 100 noir. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Eh bien, prenez une brio. Enfin, rentrez dans la. Allez-y devant la porte. Ouais. Je vais vous dire. Rentre si dans c'est la bon. Porte. Allez-y. Vous pouvez y aller. Bienvenue dans la troisième et dernière épreuve. Vous pouvez prendre les dunes, les briozos. Les dunes, c'est oui. Ouais, prenez les dunes. Les briozos, non. Alors. Et maintenant, à vous de trouver. La solution, je vais juste vous donner quelques petites informations. Vous n'avez pas le droit de sauter directement avec le dune. Enfin, en gros, sauter le saut. Parce que vous pouvez, avec de la vitesse, faire le saut. Ça là ? Non. Vous verrez quand vous verrez le saut. C'est tout ce que il y a des balles. Voilà. Juste, vous n'avez pas le droit de sauter directement dans la sortie. Parce qu'on peut. On peut. Mais bon, je pouvais pas bloquer ma. Il y a des balles là, ça. Je pense que c'est un truc à faire avec les balles. Bah ouais, mais moi, elle est bloquée, hein. Moi, elle est bloquée. Elle bouge pas ? Elle est bloquée carrément dans le tuyau. Ah. Alors du coup, donc là, je pense qu'il faut que je ramène. Hop. Alors, ça s'est passé comment, Eden ? Déjà. Alors, je sais pas là, si c'est fait. Je sais pas si c'est fait exprès, mais les balles se bloquent, hein. Elles descendent pas. Hein. Ah bon ? Ah bah je sais pas. Je vais voir après. Attends. On va voir déjà. Et donc là, je ramène les balles. Fais attention doucement, les gars, hein, parce que les balles peuvent tomber. Ok. Ok. La salle, si tu vois d'autres balles, n'hésite pas. Ouais, mais déjà, je me demande où est-ce qu'il faut l'emmener. Hein. On pourra passer la salle, on pourra passer. Bah là où je suis, pardon, je t'ai pas dit. Au fond, tout au fond. À gauche. À gauche, tout au fond, ouais. Ok. Deux balles déjà trouvées, bien joué à vous. Deux balles. T'as pas deux balles. Faut la monter ? Ouais, au fond, là-bas, là. Je suis sur l'écran de la salle, en attendant, voir ce qu'il nous propose. Alors ? Alors, la salle. Qu'est-ce que tu nous proposes ici, actuellement ? Oh là là, je vous ai dit, il a fait comment ? Il a fait tomber la balle. Ah ouais ? Il a fait tomber la balle. J'ai pas entendu, désolé, j'ai pas entendu qu'il fallait aller doucement. C'est pas grave, on s'en fout, regarde un peu. Ok. Je la ramène. Alors, Eden, je vais sur ton écran. La salle, il y a une balle là-bas, Viola. Eden, sur ton écran, je vais sur ton écran. Vous avez mis combien de balles ? Deux balles, c'est ça ? Trois. Avec la tienne, ça fait 3, c'est ça, celle que tu viens de mettre là ? 4, pardon, je crois. Je sais pas en fait. Ça va. Parce qu'il y en avait déjà une par défaut ici, quoi. Ok. Alors là, vous êtes à 3 balles, je crois. Ok. T'en as une autre ? Ouais. Alors. Explore. La salle, il en ramène une, tranquille. Ouais, je vois. Là-bas. Ah, bien joué, Eden, t'en as trouvé une. Alors, je vais aller sur l'écran de la salle qui va en mettre une autre. Du coup, Eden en a trouvé une, la salle. Une autre ? Une autre ? Une autre, effectivement. Une autre balle. Que je peux pas récupérer, d'ailleurs. Et ouais, il a Briozo, au cas où. Parce qu'elle brille aux os, la Briozo. Ok, petit à petit, les gars, vous allez former un. Vous allez remplir ce. Alors, la salle, fais gaffe. Hein. Celle-là, tu peux pas te permettre de la perdre. Ok. Vas-y, viens la salle, elle est tout au bout là, au long d'arrivée. Tout doux la salle. Attends, parce que celle-là, je dois la mettre tout doux, donc. Tout doux le loup ? Ah, la salle, bien. C'est ça, faites gaffe. Hein. Bien joué, let's go ! Ça se remplit petit à petit, j'ai envie de dire. Et donc ? Et donc, pour l'instant, bah, il faut aller chercher d'autres balles. Parce que vous voyez bien que le bac n'est pas rempli.
Ah, il faut le remplir. T'as une balle, Eden? Ouais, j'en ai une là. Je la ramène. Allez. La salle, il est intelligent, le petit Lassalle. Il le sait, hein. Il le sait que c'est pas fait exprès, hein. Bah ouais, un trou. Bien joué. Eden n'avait pas remarqué, hein. Deux. Là, bah, je savais qu'il y avait sous les plateformes et tout, je m'en doutais, mais pas là. Je pensais que c'était plus là-bas. Ok, doucement, les gars. Si, regarde. Et les gars. Je vais aller la prendre là, ça. Là. Regarde, je vais la rentrer. Vas-y. C'est mort. Waouh. Voilà, elle est rentrée. Après. Et bah, les gars, bah, ça y est, vous avez fini. Bien joué. Vous êtes sortis de l'escape game. Vous pouvez aller nager, aller faire ce que vous voulez. Bien joué à vous. On aurait pu continuer longtemps comme ça. Bien joué.